Salut Julien, comment ça va? Bonjour les poussinots. Oh, on est... Bonjour les poussinettes. On est de retour à Passepartout encore, falloir parler de Passe-Carreau, là. Ben non. Tu posteras sa photo Instagram, moi j'ai trouvé ça cool. Sa photo Instagram? Ben non, mais pour vrai, je pense que c'est une actrice qui est... tu sais, mais c'est pas de ça que je veux parler, là. Je pense que c'est des bons acteurs, les personnes en Passe-Partout, qui vont... je pense que ça va durer longtemps puis qu'ils vont réussir à faire quelque chose de bien. C'est le message d'ordre général. Ça, puis savais-tu que c'était ça s'appelle Gabrielle Fontaine? Aucune c'est idée. La fille de... Je sais pas si c'est Éric Fontaine, je me rappelle plus du prénom, mais c'est le gars que pendant comme 20 ans, il a fait Elvis, tu sais, à Québec. Ah, ouais, mais tu sais, le gars, c'est un... Je pense que c'est quand même un bon acteur slash chanteur slash danseur. Puis tôt dans sa carrière, il a pogné le rôle d'Elvis. Puis ça a pogné. Fait qu'il a fait Elvis toute sa vie, puis je suis pas sûr... Martin Fontaine, merci. Pas sûr qu'il a fait grand-chose autre qu'Elvis, mais ça marchait tellement bien que... Ça marchait au coton. Il crée Elvis, là, il est juste hot. Ah ouais, fait que c'est sa fille. Ah, c'est hot. C'est ça. À ce temps que tu m'en parles, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à Elvis. Ouais, c'est les favoris. Ouais, c'est vraiment clairement ça. Ça, puis les cheveux noirs, là. Ouais, puis l'espèce de One Piece avec des diamants dessus un peu partout, elle est tout le temps de même, là. Fait que là, hey, on a le sujet ce soir. Nous a écrit, ouais. Fait que je vais lire carrément son texte parce qu'il s'est forcé, le gars. Puis juste parenthèse, juste avant que tu lises, c'est plus une situation. C'est pas vraiment une question ou une opinion. Ouais, c'est, ouais. Le gars, il y a une situation, puis on va broder là-dessus. Je sais pas si on va faire une demi-heure, mais on verra. Écoute bien ça parce qu'il n'y a pas mis de sujet verbe complément. Là. Ouais, va faire prendre une grande respiration, puis. Conjointe enceinte, acquisition d'un chien en adoption. Sous l'effet des hormones, il est spécifique en ça, ça veut même. Dire que c'était pas son choix à lui. Là. À moins que lui ait des hormones de d'autres choses, je sais pas ça, si... C'était « buy a dog or die », là, ouais. Tu sais. Sachant qu'on était au troisième étage, on voit qu'il y a une petite rancœur. Ouais. Achat d'un plex à Verdun avec beaucoup de travaux. Gérer les travaux. Tu vois qu'il a pas mis de point non plus. Non, c'est comme tu sais, on vient de faire un épisode de la gastro, il a vomi son sujet. C'est un shitload d'inconvénients. Donc, j'étais rendu à acheter un plex à Verdun avec beaucoup de travaux, gérer les travaux, le chien avec bébé 1, point. Déménagement en février avec mini bébé et le chien, point. Un an et demi après, toujours dans les rénaux, avec bébé numéro 2 et le chien. Puis il juge bon de nous faire un résumé. Bref, les rénaux. Moi, tu vois ce qui m'a marqué là-dedans? OK, il y a les rénaux, là. Parle plus du chien, là. C'est pas tant les rénaux. Moi, ce qui me revenait, c'était beaucoup de responsabilités. Oui. Des enfants qui s'ajoutent, un déménagement, un achat de plex. Tu sais, acheter un plex, ça veut dire que t'as un locataire. Des rénaux, puis un chien en top of it qui était la cerise sur le sundae. Mais je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement. Je pense que... First, moi, c'est mes sympathies. Comment ça s'appelle? Nicolas, t'as toute mon admiration. Non, mes sympathies, là. C'est une série de mauvais choix, là. Moi, tu vois, j'avais de la compassion pour lui. Moi, j'étais pas dans le jugement. Tu peux prendre la position du jugement. Moi, je vais prendre la position de la compassion. Puis, je lève mon chapeau, man, d'avoir survécu à ça. Très sérieusement, là, c'est le genre de situation qui peut faire péter un couple. Ouais, honnêtement, là, c'est plein de stress, là. Ouais, j'avoue. Mais là, c'est parce que si le couple pète, ben là, t'es encore pogné plus dans ton plex, puis t'as ton chien en garde partagée avec tes bébés de naissance. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux tout mettre ça sur le dos du chien et dire, à cause de ce petit chien, on a tout chié ça dans la pelle. Non, mais attends un peu. Moi, je pense qu'il y a madame qui avait un objectif de vie possible qui était, pour être heureux, ça prend un plex avec un chien. Ah, puis la tondeuse. Puis la vanne. Puis deux enfants, puis... OK. Puis peut-être que, vu que c'est un bon dude, il s'est dit, j'aime ma femme, je vais la rendre heureuse. Okay, là, tu montes une histoire, là, tranquillement, là, c'est ton interprétation. OK, on peut pas faire d'autre chose, on a juste un post, là. Ouais, on s'amuse, là. Ouais, c'est correct. Puis là, ben, finalement, il y a le backslash de ça, puis on se rend compte que... c'est peut-être pas les meilleurs choix, mais... Puis il y a un piège aussi avec le chien, c'est que souvent, on le réfléchit mal. On se dit, ah, on va acheter un chien, puis on va voir, ça va être comme notre premier enfant, on va voir si on s'en occupe bien. Puis là, en plus, il va connaître le bébé qui arrive, puis toute la patente. Mais c'est de la merde, ça! Ton affirmation, fait que le moment où t'as le chien, ça peut être tough. Tu sais, je pense que ça peut être cool d'avoir un chien. La seule chose, c'est que
c'est une responsabilité. C'est plus de job avec. Ce que je veux dire, ouais. c'est pas vrai que le chien te prépare à avoir un enfant. Non, c'est pas vrai que l'évolution, c'est acheter un cactus. Un chat, un chien, après ça, t'as un enfant, puis là, voilà, tu sais, c'est pas un training, là. C'est pas un cours de yoga qui te mène éventuellement à devenir un athlète olympique, là. Non, c'est... tout à fait. En fait, c'est que le chien, tu vas l'acheter, mais sur une base. OK, mettons, tu connais tes habitudes de vie, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu sais, c'est quoi tes besoins, ouais. Si tu marches un petit peu, beaucoup, pas beaucoup. Mais la vie avec un enfant, tu le sais pas. Puis là, t'achètes ton chien avant. Puis là, après ça, t'as ton enfant qui te scrape un heureux bordel dans ta. Ça te fout un heureux en bordel fait, dans ta forme dans tout d'organisation ton rythme de vie. Possible. Ben non, ça n'existe plus. Il y en a bien. Ouais, mais c'est lui qui le contrôle. T'as le chien qui, lui, s'est adapté à une certaine routine. Exact, ben, une rigueur. Tu concilies ça. Ouais. Puis lui, s'il se fait sortir dehors à 7 h le matin, tous les matins, il s'attend à aller prendre sa marche à 7 h tous les matins. Puis sinon, ben, il va te faire de la merde pour aller chercher. Ouais. Ouais. Mais là, toi, t'as pas pensé au fait que peut-être tu vas te lever 4 fois dans la nuit. Puis à 7 h, c'est le moment où tu dors. À 7 h, c'est là que t'as ton sommeil profond, tu sais. Puis là, tu vas. Mais d'ailleurs, toi, là, t'en avais un chien au premier. Ouais. Puis pourquoi t'as plus de chien, là? Les données. Pour toutes les bonnes raisons que tu parles présentement. Non, mais ça, là, il y a plein de monde actuellement qui me juge, là, avec ce que je viens de dire. Ben oui, c'est sûr. Il y a plein d'auditeurs qui disent « Ah, ben, attends un peu, tu l'as pas fait euthanasier, tu l'as pas crissé au milieu d'un bois sur l'autoroute, non, là. Non, mais attends un peu, je vais aller plus loin que ça. Si j'avais pas trouvé de bonne famille, je l'aurais fait euthanasier parce que ça aurait été probablement le meilleur choix pour ce chien-là. Parce que je trouve les gens très durs avec ceux qui, à un moment donné, décident de donner les chiens. Tu sais, moi aussi, j'aime pas ça, donner un chien. Tu sais, ça a vraiment pas été... C'était une épreuve, c'est un deuil. C'était une épreuve. Ouais. J'y pense encore à ce chien-là. T'étais là quand même, tu avais fait des cours. Ouais, tout, non, j'avais était fait bon, des là. Cours, il marchait. On était rendu à aller chercher dans la maison des trucs qui sent mes mains, mettons, ou mon linge. Tu sais, mais là, j'ai arrêté les cours. Ouais. Je l'ai beaucoup investi, puis c'était bien le fun. Mais je pouvais pas savoir, tu sais, j'ai acheté un chien dans la vingtaine, mettons. Ouais. Je pouvais pas savoir, tu peux pas prévoir qu'est-ce que tu vas faire dans les 15 prochaines années de ta vie, quelle va être ta routine. Puis je me suis fait avoir, tu sais, parce que un enfant, à un moment donné, c'est que c'est tellement prenant, tes besoins sont tellement non répondus que le chien, il va juste se mettre entre toi puis le bébé quand t'es à quatre pattes puis tu vas avoir envie de le sloguer. Tu sais, on était rendu des très mauvais maîtres parce qu'il marchait plus parce qu'on était sédentaire à cause du bébé. Tu sais, on y donnait plus d'attention à part pousse-toi quasiment parce qu'il était tout le temps dans nos jambes parce que c'était un gros bébé. Tu sais, j'étais un boxeur là, pour mettre en contexte. Ouais. J'avais pas la race de chien non plus qui était facile à gérer nécessairement. Mais c'est un chien qui a besoin de bouger beaucoup. Besoin d'énergie. Qui a... C'est un bébé toute sa vie puis tout ça. Fait que au-delà de l'amour, tu sais, parce qu'à un moment donné, l'amour c'est plus suffisant. Là, il faut que tu sois capable d'être un bon maître, de t'en occuper. Puis, mais c'est que on humanise beaucoup le fait de donner le chien. C'est comme si tu plaçais ton enfant. Non, là, à un moment donné, le chien, tu y trouves une bonne famille, il va penser à toi 3 jours de temps. Après ça, il va être heureux, s'adapter à sa nouvelle routine. Il va avoir un nouveau maître, il va courir dans 8 arpents. Nous autres, c'était ça. Là, il était rendu avec des chevaux puis un autre chien. Puis il courait sur une terre de 8 arpents, tu sais. Fait c'est correct, mais je dis pas ça pour me rationaliser. Je pense que réellement, ce chien-là, après, il a été heureux, tu sais. Mais je trouve que les gens, des fois, ils sont sévères. Est-ce que... Mais c'était pas ton plan initial. C'était ton pas but, mon plan c'était initial. Pas ça. Pis, c'est juste pis que continue. Ça a donné que tu pouvais plus l'avoir, ce chien-là. Là. Ça marchait plus, puis ben, c'était pas bien pour toi ni pour le chien. Puis qu'est-ce qui aurait été mieux? Ça aurait-tu été mieux de l'envoyer à n'importe qui qui se fasse élever à coups de pied dans le cul. Tu sais, parce que là, si j'avais pas trouvé une bonne famille, je l'aurais piqué. Je l'aurais fait piquer, ça aurait été épouvantable, je voulais pas ça. Mais pour moi, c'est bien plus moral de faire ça que de laisser, tu sais, de mettre une annonce sur Kijiji et puis le Digo, donner au le premier donner. Qui arrive. Là. Ouais. Puis le pire, c'est que j'ai trouvé quelqu'un sur Facebook, là, tu sais. Mais la personne, on a pris le temps de jaser avec 2 heures de temps. On a vu quel genre de personne c'était. Tu n'as jamais une garantie là, de non. C'est qui. Mais on a décidé de prendre le risque parce qu'il y a eu un lien de confiance, un peu comme quand tu vends ta maison. T'sais. Il arrive avec ses grosses bottes sales chez vous. Même si tu veux vendre ta maison, tu y vendras pas. Tu n'as pas le goût. Ben, t'es moi, même, toi? Non, mais si, mettons, j'ai un lien, là, mettons que ma maison, je m'en départis parce que c'est la maison familiale. Finalement, je vais aller vers quelque chose d'eux, mais c'est super émotif. Si le gars il arrive et il dit « Ouais, moi, je m'a crissé ça à terre, je m'a changé la couleur des murs. »
peut-être garder mon prix. Tu sais, ça se peut que j'aille jusque-là. Mais c'est pas tout le monde qui est comme moi, là, tu sais. Ouais. Peut-être un petit être émotif. Ouais, mais t'es prêt à piquer un chien, par exemple. Ouais. Ben, dans ce cas-là, ça aurait été épouvantable. J'ose même pas y penser. Ben, moi, je suis rendu à l'étape où on dirait que je commencerais à avoir le goût d'avoir un chien, puis ma blonde n'est pas là pantoute, là, puis toute ma vie, je dis jamais de chien. Toi, là. Genre, qui veut mettre du gazon synthétique. Hey, wow, là, j'ai de l'air du gars pas écolo, là. Non, je veux du vrai gazon. Qui veut pas planter une fleur parce que c'est ça pourrait t'émouvoir, mais non, va falloir que tu trimes puis tu désherbes. Ouais. Tu veux t'acheter un chien? Mais je suis pas prête, là. Je suis pas là, mais je trouve ça cool quand je vois mes filles interagir avec des animaux. C'est ça mon. Okay. C'est ça mon trigger, tu sais. Ils sont bonnes, ils sont là, ils vont ouais. vouloir s'en occuper, puis tout. Ma grande trippe vraiment pas sur les gros chiens, mais tu sais, un moyen, là, un schnauzer ou whatever, là, un chien de moyenne taille, elle aimerait ça. Là. Mais il y a des bienfaits à ça, tu sais, quand même. Tu sais, je veux dire, il y a quand même de la zoothérapie qui existe. Là. Ouais. Puis, non, je peux comprendre. On n'est pas là, là, mais tranquillement, pas vite. Moi, quand j'ai voix avec des animaux, tu sais, mettons ma moyenne, là, numéro 2, tu sais, on apprend à nos enfants comment aborder un propriétaire de chien, puis aller lui demander est-ce que je peux flatter votre chien, attendre que le propriétaire dise oui, montrer leur main au chien avant de la flatter, tu sais, ouais. Alouette, là. Ouais. Puis, mettons, on marche dans un parc, ben ma moyenne, elle va se retourner vers moi, papa, je peux-tu aller demander à flatter le chien, puis elle le fait tout seul, à part avoir un inconnu. Bonjour, monsieur, vous avez vraiment un beau chien, est-ce que je pourrais le flatter? Oui, montre-le, tu sais. Elle va initier des mm-hmm. conversations avec des inconnus. Juste pour flatter le Christ de chien, tu sais, ouais. Je veux dire, c'est quand même ouais. important comme pour fois, elle. Tu sais, quand elle est rentrée dans l'éconoline blanche, là, parce ouais, qu'il y a flatter du chien, là, ça c'était cool. Ouais, c'était cool. Puis tu sais, il n'y en avait même pas de chien. Chance t'étais proche. Hein? On l'a retrouvé deux jours plus tard à marcher en cow-boy. Excuse, Caro, je voulais le contrôler, mais j'ai pas prévu qu'elle allait dire une affaire de même. Ça se peut que ça soit coupé mais, au montage. Mais... Ta fille, ce qu'elle pourrait faire, par exemple, c'est surtout là, c'est la fonte des neiges puis toute la patente, mais... Ramasser les crottes de chien partout, elle pourrait faire pourquoi ça. Pourquoi pas? Hein? Non, mais inspecteur canin puis ces affaires-là, là, tu sais, les refuges pour animaux, elle peut mm-hmm. les faire marcher. Hein? Ah ouais, pas ouais, facile. Elle arrive là, puis ils fournissent une petite laisse. T'es comme bénévole. Tu peux aller. Hey, il y en a qui sont plus wide open parce qu'il y en a d'autres. Les gens étaient pas responsables nécessairement là, fait que. Non, mais mettons moi, je pourrais y aller un petit samedi après-midi, puis on pourrait ouais. passer une heure à faire marcher des chiens, mettons. Ouais. Les chiens seraient contents, ma fille serait contente. Hey, c'est une petite bonne idée ça. Ah ouais, merci. Ben, je voulais faire ça avec mon plus vieux, mais. Je savais pas que ça existait. Chez nous, ils veulent qu'on reste sur leur cour. Fait que là, il y avait trop de neige. Okay. Là, je vais le faire. Puis tu peux choisir ton chien. Puis ce qui est hot, c'est que si, mettons que tu l'aimes, le chien, il a un bon tempérament. Ouais. Tu sais, il est calme. Ça fait 2-3 semaines que tu y vas. Puis ouais. là, tu dis, ouais. Puis là, tu sais, tu peux lui dire, ben écoute, je peux te faire un test. Je l'amènerai chez nous, mettons, deux jours, juste voir. Tu sais, je sais pas, peut-être ça se dit, là. Tout... Ouais, mais eux, ils veulent pas les euthanasier. Là. Ils veulent juste ça, trouver des familles, là. Fait que. Je sais pas jusqu'où t'aurais le droit de partir et revenir avec un ben chien. Moi, ça mais... fait mon affaire, tu sais, juste aller marcher, faire le coin de rue alentour du. Ben, du ça, truc, ça, pis... ça satisfait le besoin. Hey, c'est donc bien hot, ça. Bref, ben, merci. C'est ben, cool. Il n'y a pas de quoi. Tu peux les faire marcher. Il y en a qui vont être plus. Puis en même temps, c'est faire du bénévolat, là. Tu sais, je veux dire, c'est. Ben, c'est parce que ces chiens-là sont dans des cages, man, puis ils se pissent dessus, sinon, là. Exact. Tu sais, fait que non, ils vont juste être reconnaissants. Puis eux autres, ils vont choisir des races de chiens pour ton enfant qui sont plus calmes. Mais ils vont sûrement te proposer, toi, de tenir la laisse. Ouais. Non, mais qu'on commencerait comme ça, là. Au début, je tiens la laisse. On y va une fois par deux semaines, mettons. C'est vraiment hot. Ouais. T'essaieras ça. Ouais. Merci. Ben, c'est cool. Puis l'autre affaire que je voulais dire à mon ami Nicolas Coug, c'est que ton chien, à un moment donné aussi, c'est que tu vas te rendre compte que ton enfant grandit, puis là, tu peux avoir du répit. À un moment donné, tu vas vouloir avoir une veillée. Il va falloir que tu rentres un petit peu plus tôt pour aller faire chier ton chien dehors. Ouais. C'est tout. C'est juste... Fait que là, on a parlé longtemps du chien. Oui. L'autre aspect, c'est les rénaux. Il y avait deux thèmes dans son affaire. Ah, c'est correct. Pas de trouble. Mais les rénaux. Mettons qu'on part du départ. Il semblait au troisième étage. Oui. Mais ça, c'est vrai que quand on est au troisième étage... T'as jamais vécu en appartement ou en condo avec un enfant, right? Non. C'est bien niaiseux, mais quand t'es au troisième étage... Faut que tu montes une coquille ou une poussette au troisième étage. Ouais. C'est de la job en crise. Ouais. Mettons, quand tu restes au troisième étage, ton critère de sélection de poussette numéro un, c'est le poids.
tu sais, elle n'est pas obligée d'être faite pour faire des marathons parce que ouais. machin ou d'aller dans le désert du Dracar. Pis... Ouais, Paris-Dakar, c'est pas ça. Là. Mais fait que c'est le poids. Fait que c'est là que les modèles fancy italiens, ils gagnent, même s'ils coûtent plus cher. Parce que quand tu le montes, descend 3-4 fois par jour, la petite poussette. Au troisième, t'es content, Anesti, qu'elle pèse. Avec ton sac d'épicerie dans la ouais. main gauche puis toute la patente. Fait que je le comprends d'avoir voulu déménager. L'autre affaire, c'est acheter un plex. C'est une spot, tu sais, c'est tantôt, on avait reçu Pierre-Luc Racine, je sais pas si tu te rappelles, qui jasait des plex. Tu sais, des fois, c'est des super belles aventures. T'achètes un plex puis ça devient un bon investissement. T'as des bons locataires puis alléluia. D'autres fois, ça devient une deuxième job. Que là, quand t'as un enfant naissant, voir un deuxième, avoir une deuxième job. Puis je parle même pas de réno, là. Je parle juste de gérer tes locataires, puis le stress, puis blablabla. Bla. C'est un risque, quand même. C'est quelque chose, là. Non, c'est un gros risque, puis... Puis au-delà de... Mais je peux comprendre l'idée, par exemple, parce que, tu sais... Financièrement parlant, ça semble super intéressant. Puis ça tout, peut bien... Tout à la cour, mais tu sais, en plus, c'est qu'il faut que t'aies... Tu sais, tu cohabites quand même un peu, oui. là. Tu vas les voir, ces gens-là, fait ouais. À un moment donné, ça m'a tenté d'avoir un bachelor, tu sais. Ouais. Puis à cause de l'intimité, ça a moins passé au conseil. Puis je pense que j'ai bien fait. Ouais, parce que souvent, vous fourrez tout nu dans le cours. Là. Dehors, c'est à la trampoline. Ouais. Ouais, ça peut être nice, c'est à la trampoline. Ouais, ouais. Il y a comme un petit effet rebound. Yeah, ouais, cool. C'est comme tu donnes un coup, ça en donne deux, c'est gratis. Ouais. Bon move. Mais en fait, la différence entre le plex et le bachelor, c'est que souvent, le bachelor, ton locataire va rester en dessous. Puis des enfants, ça fait du bruit, tu sais, qu'on le veuille ou non, là, tu leur dis pas, faites attention, arrêtez de marcher, tu sais, ça court, puis ça joue, puis... Ouais, mais faut tout qu'il rénove, il y a juste à isoler son plafond. Mais quand t'es dans un plex, souvent, c'est toi qui as le rez-de-chaussée, puis le locataire est au-dessus. Ça vient avec ouais. l'inconvénient qui te marche sur la tête. Fait que si c'est un locataire de cave, ben, t'es un peu fourré, mais en même temps, c'est pas toi qui va le déranger. Fait que c'est quand même cool, ça. Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, c'est Renault qui me rentre pas dans la ouais, tête. Ouais, ça, c'est l'autre aspect. Les Renault. Moi, j'ai. Tout sort des Renault, oui, là. Puis j'en ai là. Encore, non, ouais. j'en ai encore. Mais t'as un enfant naissant aussi, là. T'es un peu dans la même situation. Ouais, je pourrais te dire, what the fuck, Julien? Non, mais ça, tu vois, c'est ça. C'est. Je le suis là-dedans dans ses choix. C'est parce que ça peut être le fun parce que tu bâtis un peu ton home. Puis ouais, tu fais ton nid, là. Tu sais, il faut que tu aies du soutien, honnêtement. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait le dude, là. Tu sais, si il est manuel. La famille proche. Y a-tu la famille ouais. du réseau. Moi, j'ai du soutien, puis une crise de chance, là, parce que sinon, honnêtement. Soutien, tu veux dire ton beau-père qui fait une bonne portion de la job, là. Mon beau-père fait pratiquement tout, là. Fait 80%, mettons. OK, il fait 95% avant tes yeux de biche, là. Ouais. Puis. Mettons, toi, ta job, c'est y donner ta carte de crédit pour qu'il fasse tout le reste. Mettons, OK, va acheter un peu de polyphénol, là, puis patch ça. Même pis le nom, t'étais pas convaincu en ta façon mois, de le dire. Là. Deux mois plus tard, man, t'sais, et puis c'est pas agile, là. Fait que là, il le fait. Ouais. Mais c'est pas j'ai pas de temps. Je comprends pas. Si tu te lances là-dedans avec des enfants, man, bonne chance, là, t'sais. Puis, mais j'étais avec toi. Écoute, je sais pas quoi te dire. Moi, je trouve ça terrible parce qu'à un moment donné, c'est ça joue, là. Moi, je suis sensible à mon environnement, là. Ouais. T'sais, quand t'es tout le temps dans un work in progress, mais t'sais, c'est jamais fini, tu sais. Là, ouais. tu laisses traîner tes affaires qui piquent les chevilles aussi à tes enfants, genre des vis puis des... Non, écoute, c'est le bordel. Ah, puis c'est... Nous, on a eu un projet à un moment donné. Je sais pas si tu te rappelles, la maison un peu plus vieille qu'on avait achetée, puis on se dit, on va rénover ça, faire un autre étage, ouvrir le rez-de-chaussée, puis faire une maison à notre goût, puis... Mais tu sais... Ça dépend de chacun, tu sais. Je pense que toi et moi, on n'est pas particulièrement habiles de nos mains. Là. À la limite, toi, ça te détend, là, mais je pense pas. C'est peut-être pas ta plus grande qualité, mettons, à être manuel. Non, ben c'est ma plus grande qualité. Pourquoi tu te tiens avec moi? Ouais, je sais pas. Puis moi non plus, tu sais, je suis nul à chier, puis ça me stresse, puis c'est ça. Je trippe pas tant. Fait que je peux comprendre qu'il y a du monde que ça les allume, mais nous, faire des rénaux, là, on a juste fait des trucs très, très, très mineurs. Mais il spécifie pas si lui les fait. Non. Tu sais, parce qu'en même temps, tu sais, je comprends que tu peux payer aussi, là. Ouais. Ça va être fait. Mais même en payant, moi, j'ai payé, puis juste la gestion des contracteurs qui viennent pas, qui sont en retard, que t'es dans le bordel, qu'il y a des trucs pas faits, puis pas faits. Tu sais, ça reste quand même une forme de gestion qu'il faut que tu fasses, là. Ça induit un stress sur le couple. Puis ouais. quand t'as des enfants en bas âge, toute forme de stress, ça devient un élément perturbateur intense, tu sais. Puis tu sais, c'est parce que c'est celui qui va être celui ou celle qui va être avec l'enfant aussi, là, tu sais. Quand il y a tout le temps ce qu'il y a qui part
à tout une bout de champ. Là, c'est quoi ça, une skill ça? Ah, c'est le seul outil que je connais. Ah, peux-tu me décrire c'est quoi une skill ça? Parce que Ciron. Ah, une Ciron, ça s'appelle une skill ça. Ouais. Merci. Ouais, c'est ça, quand ça passe, ça mène du temps en crise. Ouais, mettons que ça réveille ton kid, que ça fait une heure et demie que tu essaies d'endormir. Ben, c'est là où c'est des petits stresseurs de la vie qui fait qu'à un moment donné, quand tu les accumules, sur 6 mois, ouais, t'es écœuré, là, tu sais. Ouais, fait que, bref, Nicolas, je te souhaite bonne chance dans tout ça. Je trouve que tu t'en es mis pas mal sur le dos. En fait, j'espère que ta job est calme puis un smooth en salle. Tu sais, j'espère que t'es pas neurochirurgien, tu sais. On n'a pas regardé ton profil Facebook, là, mais tu sais, si t'as une job highly stressful, là, t'as toute mon admiration. Je te lève mon chapeau parce que mettons que j'espère que c'est ça, que ta job, c'est justement, là, tu promènes les chiens au centre canin parce que t'es bénévole, puis c'est pas mal ça, là. Dans le fond, c'est elle qui fait tout. Elle répare, elle s'occupe du petit Aferino, puis lui, il va promener des chiens, puis il revient à 4 heures. Bon, t'as-tu avancé à la salle de bain? Comment ça, c'est pas fait? Tu l'as-tu posé, la tuile? C'était même pas cette tuile-là que je voulais. Mais ça arrive, hein, de plus en plus, des femmes, mettons, qui trippent Reno, puis qui... Ils en font plein, là, c'est pas... Ouais. D'habitude, moi, j'ai plus connu celle qui tripait design. Ouais. Puis c'est toi qui tripes Renault. Ça, c'est la partie facile. Ah, oh, j'aimerais ça, un beau backslash derrière mon truc avec... Backsplash avec un dégradé de tuiles avec celle-là. Faudrait que ça soit un design de dauphin parce que j'ai vu ça Pinterest. C'est beau. Avec une poutre qui tient dans le vide. Voilà. On se demande pas comment tu vas faire pour le faire. On veut juste que ça soit fait pis ça va être beau. J'aimerais ça que ça soit fait pour dans 2 mois parce que mes amis, ils viennent pis ça serait vraiment beau pour faire notre bachelor party. Le tabarnak. Ouais. C'est, moi, je suis pas là. Fait que, en fait, moi, ce que je me demande, c'est... Tu sais, t'as commencé à la blague en disant que c'est comme une série de mauvais choix, ces affaires-là. Là. Moi, ce que je me demande, c'est comment il en est venu à continuer à prendre ses choix. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as un couple. Puis là, amener un enfant, ça induit un certain stress sur le couple. Puis là, tu te dis, hey, on va déménager. Là, déménager, c'est un autre stress. Ça se passe. Puis là, on va mettre un chien. OK, cool. Un autre stress. Là, un autre enfant. Un autre stress. Puis là, on va faire des rénaux. Un autre stress. Il n'y a jamais... Non, mais peut-être qu'il s'est dit on va faire des rénaux pour être bien dans notre premier stress initial. Peut-être. C'est une bonne parce que bonne moi, hypothèse. Je pense... Mais j'en reviens un peu à... Là-dessus, on est pas mal pareil. C'est moi, je vais éliminer les stress. Les stress. Non, mais attends un peu, check bien. C'est que des fois, on pense dire... Tu sais, on se dit... On va tout faire one shot deal, puis après ça, ça va être fait. Je suis pas de même, moi. Mais c'est pas, tu sais, la vie puis les enfants, c'est un marathon. Si tu penses faire, OK, je vais courir 17 km, one shot, faire à mes... 110%, puis après ça, je vais prendre ça arrêter, relax. Prendre ça cool, puis quand il va y avoir une autre période dans ma vie, là, je vais faire un autre, tu sais, ça marche pas. Ouais. Ton analogie est super bonne, j'avais pas pensé, mais d'ailleurs, tu sais, les gens qui font de la course d'endurance, pour savoir s'ils ont eu des bonnes performances, il faut que leur dernier kilomètre, ils les aient fait plus vite que les premiers. Ouais. Tu sais, c'est une mauvaise conception de dire on part, puis plus ça va, plus je ralentis. C'est une mauvaise course, tu sais. Fait que c'est la même chose avec les enfants. Tu sais, je vais les faire tout d'un coup, puis je vais. Whatever, ou je vais faire des rénaux, je vais faire. Ouais. Comme ça va être fait, puis après ça va être chill. Non. Malheureusement, non. C'est. Non. C'est pas mais ça. Mais c'est ça dans tout, tu sais. Le shower, c'est ça. La chambre du petit qu'il faut qu'il soit faite. Ouais. C'est ça. Fait qu'il faut savoir le sexe pour pouvoir faire notre chambre. Ben oui, puis après que... ça, ben là, voyons, il n'y aura pas de salle de jeu, chérie. On va faire des rénaux. Fait qu'on va faire une salle de jeu qui va être full cool avec des petits décors pis tout ça. Ouais, mais elle a 6 mois, elle s'en calisse, tu sais, je veux dire, elle va triper sur la paille bleue qui traîne à terre. La boîte c'est pas grave, de carton. Ça prend la salle de jeu, comprends-tu? Fait que là. On se met des exigences épouvantables pour après ça dire « Ah, mais là, on va surfer sur la vague, là, pis ça va être beau. Ouais. » Quand dans le fond, l'humain n'est pas fait de même. Il a besoin de changement. À un moment donné, ça va être fait. Tu vas avoir envie de refaire ton salon. Ouais, il va toujours avoir quelque chose. C'est quoi le prochain projet? Ça prend un projet. Vraiment, moi, j'aime ça me ramener à nos besoins. T'sais, on l'a déjà eu, cette discussion-là. Ouais. C'est quoi que j'ai besoin là? T'sais? Comme là. Fait que peut-être que Nicolas avait tous ses besoins-là à ce moment-là, puis c'est parfait. En fait, je suis sûr qu'il va rénover comme un chef, que ça va avoir beaucoup de sens, même si je le connais pas, puis qu'il y a un rationnel là que je peux même pas ostiner. Exact. Mais est-ce que c'était nécessaire de. C'est comme se mettre un ce qui strangule les couilles, là. Tu sais, là le, c'est quoi ta pratique sexuelle, là, non, Julien? Un, là? Un,
un élastique. Un cock ring. C'est comme se mettre un cock ring. Tu sais, ça. Ben, moi, dans ma tête, un cock ring, ça allait sa graine. Ouais. Bon, je l'ai peut-être dit fort un peu. Mais ça doit être dans ma tête. J'étais un peu mélangé. Mais en tout cas, quelque chose d'inconfortable qui fait qu'à un moment donné, t'es prêt avec ça. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, je te donne un exemple. Je sais pas, j'ai pas le meilleur. Je te donne un exemple. J'ai des exemples, Julien. Ouais. Non, mais j'ai pas la meilleure solution. Mais admettons, ma fille là, dort dans ma chambre. Ouais. Elle a pas de chambre. Ouais. Là, j'en ai deux dans la même chambre. Hey, ça, c'est la mort. Ça, puis c'est épuisable. J'en ai un autre plus jeune dans une chambre. Ouais. Bon. Fait que t'as trois chambres en ce moment dans la maison. J'ai trois chambres en ce moment. On est six. Mais là, c'est correct. On peut faire encore un bout. Mais là, c'est sûr qu'on rénove. Pour avoir plus de chambres. On a rénové premièrement l'entrée. Parce qu'à six, on arrive dans la table. Ouais. On arrive dans notre table de cuisine. Si ça marchait plus, là, il y a des bottes, mon gars. On dirait que tu rentres dans un party de Noël avec les matantes en 84. Exactement, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, on a commencé par faire notre entrée, tu sais. C'était le number one. Ouais. Après ça, ben là, on a refait notre salon puis la petite salle de jeu, mais dans le but de dégager ultimement pour faire les chambres. Ouais. Mais les chambres se font pas tout de suite. Bon, là, ça donne que j'ai la chance d'avoir un petit gap. Ça se peut que je clenche là-dessus, mais les chambres pourraient, tu sais, on pourrait encore toffer comme ça un an de temps. Tu sais, on pourrait mettre numéro 4 avec numéro 3 ouais, dans une petite dans chambre. Tu l'as à deux étages, puis. Puis tout le monde serait coincé. L'affaire, c'est que j'ai un grand, là, de 8 ans qui veut sa chambre. Lui, il veut être. Ah, moi aussi, elle a le goût, là. Elle a le goût, elle veut se différencier. Tu sais, ça rentre un peu dans ce qu'on disait dans l'autre épisode. À un moment donné, ils veulent avoir des privilèges de grand parce qu'ils sont rendus là. Ouais. Bon, ben tant mieux. Fait que là, parce que ton grand, il veut se crosser. Ben, probablement. Non, mais ça va venir. Ça va venir d'ici 4 ans, mettons. 3, ouais, 3, 4 ans. Fait que, correct, on est rendu là, mais on peut-tu penser, tu sais, étape par étape, selon le développement de nos enfants, puis tout ça, puis mon Dieu qu'on se sent mieux. Dans mon jargon, on appelle ça itératif incrémental. T'sais, tu as des petites itérations. C'est quoi? Bon, je suis parti. Itératif incrémental, c'est-à-dire que tu prends des petites bouchées une à la fois sur ton projet pour amener des bénéfices à chaque étape, puis tu te donnes le droit d'ajuster le truc. Ça te prend peut-être pas le super salon méga ultra hot tout de suite. Tu sais, t'as fait le salon, premier truc, puis peut-être que dans 3 ans, là, tu vas refaire un bout du salon en bas parce que tu vas mettre des fils pour des speakers ou je sais pas quoi. T'es pas obligé de tout faire, ça accroche tout de suite parce que tes besoins d'aujourd'hui ont rien à voir avec tes besoins dans 2 ans, puis dans 4 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans. En fait, peut-être tu vas te dire finalement, j'aime pas ça vivre dans un plex. Peut-être. Fait que tu sais, toute la rénovation puis le projet exact que j'ai. Fait que là, puis là, tu vas cibler juste des familles qui veulent ce genre de. Tu sais, ouais, y a ça aussi. En tout cas, mais c'est un peu ça l'idée. Moi, je pense que. Puis je sais pas si c'est une affaire de filles. Tu sais, je veux pas généraliser. Bon, encore le mot du sexisme. Un petit peu quand même, mais les filles aiment ça se faire leur nid, j'ai l'impression, puis que ça soit rapidement placé, canné. Honnêtement, tu sais. Il y a quelque chose de rassurant là, dans cette pensée-là, qu'après ça, on n'a plus rien à toucher, puis on va pouvoir être heureux et heureux beaucoup d'enfants. Mais vers la fin de la grossesse, les femmes ont le goût de faire le nid. T'sais, c'est pour ça aussi qu'ils se mettent souvent à faire un peu plus de ménage ou des trucs comme ça. Ils ont moins le goût de faire l'amour, ils ont plus le goût de faire le nid. C'est ça. Ça dépend. Ça dépend des femmes. Okay. Moi, j'avais pas cette situation-là. J'avais les deux. Mais c'est un petit peu intime, ce bout-là. Ça veut pas dire que je parle de moi. Ça veut pas dire, mais c'est sûr que quand ma phrase commence par « moi, j'avais les deux », c'est peut-être un personnage fictif que je fais en ce moment. Là. On sait pas. C'est de la fiction. On saurait jamais. On sait pas. Mais ben effectivement, je pense que la notion de cocon est un petit peu plus féminine en général, tu sais. Puis après ça, nous, on aime ça jouer avec les outils, puis faire des gogos, puis le matérialiser, puis le construire. Puis, tu sais, quand même une forme de valorisation là, à faire ça. Là, ouais. Tu sais, t'as un outcome, là, t'as une réalisation concrète, directe. Tu sais, quand t'arrives dans ton salon, même si c'est ton beau-père qui l'a fait à whatever, 75-80% sans calice, tu sais, t'es fier. Tu sais, mon salon, je l'ai fait. Ouais. Moi qui fais ça, tu sais. C'est quand même cool. Ouais, tout à fait. Tu sais, nos jobs, des fois, c'est abstrait en crise, là. Ouhouhou, j'ai accompagné des gens à se développer de telle façon, c'est le fun, là, mais pas autant que moi qui ai fait ça, ce salon-là. Ouais. Check, gars, le beau plancher check flottant. Check mon plancher, c'est ça, exact. Ouais. Tandis que là... Non, tout à fait, c'est des résultats concrets, observables, mesurables. Pis, Hey, c'est beau, c'est smart. C'est smart. C'est smart. Si on va t'en mettre du buzzword au pouce carré dans ce podcast-là. Mais moi, c'est ça, mais je pense qu'il n'y a pas de...
de bon ou de mauvais pattern. Moi, je sentais à travers son écriture qui était très... ça avait l'air d'un... Il vomissait, là, son idée, là. Je comprenais une certaine forme de stress puis d'insécurité là-dedans. Là. C'est de la pure interprétation à deux scènes. Peut-être que lui, il est épanoui puis il trippe, Nicolas, là, tant mieux. Mais moi, je sentais qu'il y avait une partie que c'était un peu à contre-cœur. Ouais, j'ai pas le contrôle sur tout ça. J'ai perdu ma bataille. Mais moi, j'ai envie de te dire, amène ce contrepoids-là. T'sais, ça peut être intéressant parce que sûrement que les idées de tous sont bonnes, mais souvent, on est bon aussi pour faire prendre du recul à notre partenaire, tu sais, ouais, sur certaines décisions, puis amener notre vision des choses, puis ça les déstresse. C'est pas toujours en confrontation, des fois, c'est juste non, en recul. Des fois, ils aiment pas ça sur le coup, ce qu'on dit, mais après ça, ils repensent, puis ça met un break, tu sais, puis ça déstresse tout le monde, fait qu'il faut pas lâcher, c'est ça, les... Mais tu sais, vois-tu comment les enfants, déjà, ils nous foutent dans des dilemmes, tu sais, puis des confrontations de couple, ouais, tu sais. C'est fascinant. Toute la faute des enfants. Il n'a pas dit un mot encore. Il veut pas prendre le char. On n'est pas en train de négocier sa première brosse. Non, non, non. Il est juste là. Question, ouais. On s'ostine sur juste les rénovations puis quelle proportion ça va prendre. Moi, je pense que la conclusion de ça, c'est qu'on devrait pas faire d'enfants. Ben, en tout cas, bon, ça si on pète veut sauver... le concept du podcast un peu, là, c'est mais ça. Après. On va parler de quoi? Non, 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 c'est pas vrai. Mais ouais, ça vient. Tu sais, sa situation à Nicolas. Dans tous les cas, probablement qu'elle est ultra stressante aujourd'hui, puis que dans 2 ans, il va se remettre dans d'autres projets, puis ça va plus être grave qu'il fasse des rénaux ou pas, puis où est-ce qu'il est rendu, puis tout, puis il va être rendu complètement ailleurs. Ils vont en rire, ailleurs, là, ils vont en rire. Ouais. Ou bien, il fera pas des projets aussi fous parce qu'il va nous avoir écoutés. Ouais. Ouais. Hey, ça fait-tu le tour, Doug? Ben oui. Bravo, Julien. J'espère qu'on a répondu à ta question qui n'en était pas une. Mais merci pour ton sujet, Doud. C'était cool. Moi, je l'ai trouvé drôle, ce gars-là. Ouais. Il a écrit, puis j'étais comme, je rigolais, puis je me disais, il faut qu'on jase de ça. Gênez-vous pas à nous écrire. Ouais. Merci et bonne semaine. Bonne semaine.